Je me présente Alice Labou, je prends la présidence de la structure. J'ai commencé mon parcours à l'AMF, à la direction des émetteurs, et ensuite j'ai intégré Réseau des Finances comme analyste financier. C'est là où j'ai vraiment découvert le marché action, le plaisir d'aller chercher des pépites en Europe, aux côtés de Gérard Augustin-Normand, c'est mon école de formation. Et je crois que je reste un peu marquée à jamais par cette typologie d'investissement value. Ensuite, j'ai eu la chance de rejoindre la financière Mescap, où je gérais des comptes pour des clients très fortunés, notamment dans le nord de la France, puisque vous savez, une clientèle assez forte dans le nord, très belle maison, passionnante. Et puis c'est là où on est venu me débaucher pour la création d'une société de gestion. En fait, c'était des gens qui créaient une société de gestion, qui cherchaient un gérant sur un fonds action européenne. Donc je suis devenue gérante de fonds chez Turbo Asset Management. J'ai beaucoup développé la notoriété de la structure, puisque j'avais moi-même une chronique sur BFM Radio toutes les semaines, en direct, et j'intervenais pour l'agence France Presse et différents journaux. Donc mon associé Julien Jérémy, ici présent, que je connais depuis 10 ans et avec qui on souhaitait depuis plus de 10 ans créer une société de gestion puisqu'on s'est connus en école de commerce. Bonjour à tous, merci d'être venus nous écouter. Alors moi très rapidement, je viens du monde de l'audit au démarrage, donc l'audit en termes d'évaluation d'entreprise et pas mal de PCVM. J'ai eu très rapidement envie, puisqu'on vient d'une famille d'entrepreneurs, on est entrepreneur de père en fils, et même si je suis la première génération, donc j'ai eu envie de créer une société, de voir ce que j'étais capable de faire, est-ce que je pouvais ramener du business, développer, créer, etc., entreprendre, au sens proche du premier du terme. Et donc j'ai quitté Mazars en créant une société d'évaluation, parce qu'on a commencé par la technique, ce que je savais faire, et qu'on avait plutôt très bien appris chez Mazars. On s'est développé rapidement, j'ai eu la chance d'être racheté au bout de 9 mois, donc très rapidement, par une banque d'affaires qui s'appelle Croissance Partenaire. Ils étaient deux, on est monté à une grosse quinzaine, on en a fait la 10e banque d'affaires sur le marché, sur les deals mid-cap, donc les deals entre 30 et 300 millions. Ça s'est très bien passé, ça tourne encore très bien, et quand Alice est venue me proposer de sauter dans l'aventure, qui était un de nos rêves sur les bancs d'école 10 ans auparavant, elle a un peu insisté pour rien vous cacher, parce que la position voilà, de ma structure était maintenant bien établie, et avec tous les avantages que ça peut apporter. Mais je me suis dit, ok, elle m'a dit, t'es entrepreneur, tu l'es pas, j'ai sauté, et me voilà aujourd'hui en face de vous dans une nouvelle aventure qui nous passionne, dans laquelle on en apprend tous les jours, on rencontre des gens passionnants, et on va vous expliquer un peu pourquoi on pense être différent et quel est notre concept. Alors, une nouvelle société de gestion, pourquoi ? Je pense que vous serez assez d'accord pour dire qu'aujourd'hui, sur les marchés financiers, il y a une vraie décorrélation entre les marchés eux-mêmes, c'est-à-dire les valorisations des sociétés, et les sous-jacents que sont les sociétés. Nous, on est très entourés d'entrepreneurs, notamment et aussi de capitaines d'industrie qui sont patrons de grosses sociétés cotées. Et c'est vrai que ces gens-là ont le sentiment que les cours de bourse ne reflètent pas la réalité de leur entreprise et de leur business à venir. Donc, comme Julien et moi, on est très entrepreneurs, on a décidé de répondre à cette problématique et d'apporter vraiment quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est l'alliance des marchés financiers, de la gestion action et du private equity. Julien vient du private equity, moi je viens des marchés financiers. Et on a décidé d'appliquer une partie des méthodes de l'analyse financière qui est réalisée en private equity à la gestion action plus traditionnelle. Comme on a conscience de ne pas avoir la science infuse et de ne pas tout savoir, on a voulu absolument s'entourer de gens plus expérimentés que nous sur les deux blocs. Sur la partie en fait entrepreneuriale, donc l'analyse plus private equity qu'on a nous appelé private equity, mais qui est quelque part la gestion value améliorée ou poussée un peu plus loin, on s'est entouré d'une dizaine d'entrepreneurs. On a le directeur général de Marmara, la présidente de Coca-Cola Europe, on a des fondateurs du premier distributeur de pièces automobiles en France. Donc des gens qui un jour ont traversé la rue, planté une plaque et créé des centaines d'emplois, qui sont pour nous, on a voulu les mettre au service de la gestion. C'est-à-dire, on a recruté des gérants de qualité et les mettre à leur disposition à titre consultatif pour qu'ils aient un retour terrain. C'est-à-dire que moi, j'ai pu constater dans ma carrière précédente que ce qui apporte de la valeur ajoutée, c'est finalement de se nourrir des gens qui sont dans un secteur au quotidien. Mon dernier deal en date était avec Alain Ducasse. Il n'y a personne mieux que lui qui vous parle de l'hôtellerie, puisqu'il y a une chaîne d'hôtels de 540 hôtels, 700 maintenant, puisqu'on a racheté avec lui. C'est quelqu'un qui vous parle de ça avec passion, qui a une logique de cycle,
moins court-termiste que les marchés, donc qui regarde ça avec un angle totalement différent et une approche qui pour moi a été pertinente et qui nous a permis de lui faire gagner beaucoup d'argent. On s'est dit, si ça permet de faire énormément d'argent dans le long côté, ça fait peut-être sens d'utiliser certaines de ces méthodes-là dans le côté. Donc on a cette dizaine d'entrepreneurs et on a vocation à élargir un petit peu cette gamme pour couvrir tous les secteurs. Pour les mouiller un peu, on en a fait des actionnaires et des cideurs, c'est-à-dire que les premiers encours viennent de ces gens-là. Donc ils se mouillent, ils nous ouvrent leur carnet d'adresse et évidemment de leur temps, parce que c'est précieux pour nos gérants. Et le deuxième bloc, puisque l'asset management est une industrie à part entière et un métier avec ses codes, son réseau, son savoir-faire, etc. On a été chercher M. Christophe Bourret, que certains connaissent peut-être, qui est le cofondateur d'ADI, et Jérôme Tordeau, cofondateur de Sycomore. On s'est beaucoup bagarré avec eux pour les convaincre de nous rejoindre. Ils ont fini par céder, est-ce que c'était sur les bons arguments? On n'en sait rien, mais ils sont là. Donc ils sont actionnaires aujourd'hui avec nous dans le Crescendo Asset Management. Et ils jouent le rôle d'un conseil de surveillance de la maison. Ça nous permet d'avoir notre propre caisse de résonance en termes de stratégie de développement, de positionnement des produits et de connaissance du marché de l'asset management. Alors, comment tout ceci est mis en musique dans la gestion? Alors, assez simplement, on a donc recruté une équipe de gestion dont je vous parlerai après, donc je prends la direction. On met à leur disposition deux outils assez fondamentaux que sont le comité des sages, donc qui sont tous les entrepreneurs dont parlait Julien, qui sont entrés au capital et qui vont vraiment apporter leur vision économie réelle à nos gérants. Comme vous le savez, donc c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais les gérants de fonds sont souvent devant leurs écrans ou lisent les analyses financières de nos amis et des autres analystes. Ils font quelques réunions SFAF, mais bien souvent, ils n'ont pas l'écho de terrain qu'ont les gens en private equity, de patrons, de gens qui sont tous les jours les mains dans le cambouis, si je puis dire. Voilà, donc ce comité des sages a accepté de consacrer du temps à nos gérants, un coup de téléphone, un café, un déjeuner, pour justement leur donner le retour terrain nécessaire à l'analyse financière. Et puis le second outil, c'est ce qu'on appelle nous des filtres quantitatifs, puisqu'évidemment on travaille sur le marché action, donc il est indispensable d'avoir des éléments d'analyse du marché action, de tri, et c'est comme ça que les filtres quantitatifs sont développés en interne, et ce sont des filtres qui sont différents, souvent pour chacun des fonds. Donc ceci nous permet immédiatement de proposer dès janvier deux fonds, deux produits avec un profil rendement risque relativement différent, donc un produit de gestion traditionnelle, Crescendo European Equities, et un produit plus gestion alternative, puisque c'est un market neutral, un pure market neutral. Donc sur European Equities, peut-être Julien, tu peux parler un petit peu, oui, et moi je vous présenterai le market neutral. L'idée sur le premier fonds, c'est que très concrètement, on avait pas mal de demandes, enfin moi dans mon ancienne vie d'entrepreneur, mais les marchés vont faire quoi? Pourquoi il y a un tel décalage sur les cours? On ne comprend pas, ça fait 10 ans que c'est la pagaille dans tous les sens. Pourtant, moi, à côté, sur ma boîte, je suis capable de... je fais 50 millions d'euros, d'acheter une autre boîte de 30 millions sans paniquer, je suis sur une ligne et ça se passe très bien. C'est quoi le problème? Et donc, ils ont insisté sur... Et quand je regarde, il y a des boîtes qui sont rentables, pas endettées, belles perspectives, et elles sont massacrées comme leurs petites copines. Donc, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Et on s'est dit, on va leur créer un fonds qui va nous permettre d'aller chercher sur le marché les opportunités attractives d'aujourd'hui, selon leur méthode d'analyse. C'est-à-dire que quelque part, il faut qu'on soit capable de se dire on a des vraies convictions ligne à ligne, après avoir fouillé chaque secteur. Et c'est vrai que ce regard de ces gens-là, cette capacité à se dire, eux, ils font, à chaque fois, ils font tapis. Quand ils ont créé leur première boîte, ils ont souvent hypothéqué leur maison, ils ont pris des risques. Quand ils ont acheté, ils faisaient 50 millions, ils ont voulu doubler taille, ils ont repris un risque, et etc. etc. Et donc, ils ont une capacité et un regard qui est beaucoup plus perçant. Et il nous aide énormément aussi à analyser la personne qui présente le projet. Le porteur d'un projet, c'est-à-dire demain le manager d'une boîte, on a besoin de le jauger. Il y a des sublimes conteurs d'histoire. Quand j'ai commencé ce métier-là, on m'appelle les lunettes 40 fois. Et avant de comprendre que le mec en face de vous, il est en train de vous peindre les lunettes, justement, ben on fait des erreurs, on se plante, etc. Et au bout d'un moment, on apprend à les jauger, on apprend à les tester, on apprend à voir qui tient ses promesses. Et ça, pour nous, c'est pertinent. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer ce fonds-là, parce qu'on pense qu'il y a de très belles boîtes encore sur le marché sont mal valorisés et qu'à un moment donné, de toute façon, le marché, par l'extérieur, par le long côté, avec des opérations de fusion acquisition ou par le marché lui-même, ça se corrigera. Et on veut absolument être positionné dès aujourd'hui sur un fonds comme ça. Le market neutral, là, c'est pour une population, une seconde population de notre clientèle qui
est un peu plus risque-averse et qui a peur de ce qui va se passer dans les 6, 12, 24 prochains mois et qui avait envie d'un produit qui n'ait pas d'exposition au marché mais qui soit un peu plus performant que ce que leurs banquiers privés leur proposaient habituellement, soit des pertes, comme ça s'est passé, mais ça c'est l'histoire, soit des performances très plus proches du monétaire. Donc là, c'est plutôt un fonds qui vise entre les 7 et 10% par an, avec une volatilité globalement 5 points inférieure au marché. On rentrera peut-être dans les détails techniques de ces fonds-là quand on vous rencontrera ceux que ça intéresse dans un deuxième temps, parce que c'est un peu long, un peu technique, et que ce n'est pas forcément le lieu. J'en profite juste pour vous dire, donc on a recruté deux gérants de très très grande qualité pour gérer ces deux fonds. Le premier pour le fonds Crescendo European Equity, je ne peux pas encore vous dire son nom puisqu'il me rejoint dans exactement 10 jours. Il faut un peu de suspense. C'est quelqu'un, je peux juste donner un indice, il a passé, il a travaillé à peu près 15 ans sur les marchés actions européennes dans une filiale d'ABN AMRO, française, donc je ne peux pas vous dire le nom, mais je pense que c'est bon. Non, après je ne peux pas le dire. Voilà, donc il nous rejoint pour prendre la direction de ce fonds. Quant au second, je peux déjà en parler puisque c'est un garçon qui s'appelle Julien Bourret qui a travaillé, donc a toujours été dans le market neutral. Il faisait du long short chez Sycomore, il gérait la poche pertraite des deux fonds, long short de Sycomore, avec un très bel historique de performance. Et il tient un portefeuille test qui a été audité par Mazars depuis le début de l'année, qui est à 10,82%. Sur les méthodes qui vont être appliquées par le fonds d'entrée. En fait, c'est quelqu'un qui a développé vraiment une base d'arbitrage depuis plus de 7 ans. Il a à peu près 1000 arbitrages qui suit avec des alertes, des stop-loss, et il vous expliquera tout ça forcément très très bien. Il a grandi dans le market neutral, et c'est un fonds qui va vraiment chercher à gagner des points d'arbitrage au fur et à mesure de l'année, tout en étant neutre par rapport au marché. Et en s'inspirant du fondamental, ce qui est important, c'est que ces deux gérants ont accepté de nous rejoindre. C'est pareil, on vient de se créer, on n'a pas 20 ans derrière nous, donc ils ne viennent pas pour le prestige de Crescendo, même si on espère le construire. Ils viennent effectivement parce qu'on va revenir aux fondamentaux, à l'économie réelle, et aller chercher, et sur la partie fondamentale de leur analyse, ils ont senti, en rencontrant les dirigeants qui nous accompagnent aujourd'hui, qu'ils étaient capables de générer un peu de valeur ajoutée, et c'est ce qui les a fait accepter. Voilà, pour le long short, c'est sur la patronne, évidemment. Les deux fonds sont éligibles au PEA, c'est important parce que c'est très rare pour un long short en France, parce que de mémoire, on n'a qu'un seul concurrent en PEA, éligible au PEA en market neutral. Donc, c'est pas négligeable. Pour finir, pourquoi Crescendo? Parce qu'on nous a posé la question quelques fois depuis qu'on l'a fondé. Crescendo, c'est le 14e siècle, c'est une période, c'est la pré-Renaissance italienne. Donc, c'est ce qui a permis l'arrivée de la Renaissance, d'abord en Italie, puis en Europe. Et donc c'est ça qui a préparé la réalité économique européenne, qui a permis la diffusion de la culture par l'imprimerie, la multiplication des échanges commerciaux. Donc c'était vraiment une époque charnière. Et ce siècle pivot, en fait, qui augure aujourd'hui une nouvelle... ça fait 10 ans en fait qu'on observe des choses qui se passent dans tous les sens sur les marchés financiers, et même au niveau européen, que ce soit politique, social, économique. Et on pense qu'on se situe dans une zone pivot historique, et qu'il va se passer quelque chose. Et on voulait s'inscrire dans cette réalité et peut-être participer à notre échelle à ce renouveau social, financier, économique et surtout financier, parce que c'est un peu ce qui nous importe aujourd'hui. Voilà, on est bien évidemment à votre entière disposition aux uns et aux autres pour vous en dire plus, probablement dans nos nouveaux bureaux. Ils sont très faciles à trouver puisqu'on est au 33 rue Mironi, à un numéro de l'AFG, donc comme la plupart d'entre vous doivent connaître l'AFG, on est à côté, on vous accueillera avec plaisir et moi je serais ravi et à des soucis de faire plus de connaissances avec chacun d'entre vous. Et si vous avez des questions, on est à votre écoute. Merci pour votre temps. Des questions ? S'il y a des questions ? Non ? Bon, ben, je vous remercie. Aujourd'hui, les promesses en cours sont aux alentours entre 25 et 30 minutes. Chacun d'entre eux. Non, au total. Et on vise une centaine de millions sur la fin de l'année, on discute avec les quatre sociétés.